Le monde des éditions est très dynamique en Estonie. Même ça continue de m'étonner parce qu'on publie, je pense, quelques 10 nouveaux titres par jour, avec un tirage moyen de 1000 exemplaires, donc qui fait 10 000 nouveaux livres par jour pour un marché d'un million de lecteurs en moyen. En Estonie, je pense qu'il doit y avoir une centaine de maisons d'édition, mais en fait, des vraies maisons d'édition, il y en a peut-être une petite quinzaine. Et je pense que la plupart, presque la moitié des livres produits, ce sont les traductions. Donc, c'est une pays qui traduit, même plus qu'écrit. Et qui m'étonne aussi que les prix de livres sont assez élevés, tout à fait le même prix qu'en France, c'est-à-dire que le salaire moyen est beaucoup moins élevé qu'en France, mais néanmoins, les gens continuent à lire, à acheter des livres. Et donc, c'est peut-être une tradition protestante qui valorise l'écrit, la lecture, et qui est caractéristique à l'Estonie, mais peut-être aussi une tradition un peu soviétique qui a fait aux gens rêver d'acheter des livres à la maison, même si on ne lit pas, mais néanmoins on continue à acheter. En tout cas, comme éditeur, je suis tout à fait content avec ce secteur en Estonie. Moi, je dirais qu'Andrus Kivirähk est un écrivain estonien le plus lu et le plus acheté, si vous voulez. En Estonie, chaque livre de lui devient un best-seller immédiatement. Et donc, du point de vue de l'éditeur, c'est un rêve de publier Kivirähk. En effet, la maison d'édition Varak, où je travaille, a publié Kivirähk depuis presque dès le début, y compris le roman Rehepap, qui vient d'être traduit en français. D'ailleurs, j'avais l'honneur de recevoir le manuscrit directement de main de Kivirähk. Donc, j'étais sans doute le premier lecteur de ce manuscrit après l'auteur. Et ça a été immédiatement un succès. On ne s'arrête pas de le réimprimer, parce que chaque année, il fait un nouvel tirage de Rehepap en estonien. Et ce qui est même plutôt curieux, c'est que même s'il écrit des pièces de théâtre, même s'il écrit des livres pour les enfants, tous marchent très bien. Donc c'est un auteur le plus populaire en Estonie actuellement.